Bonjour les petites bulles, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va. Donc là, on va continuer l'aventure, tout simplement. Donc si vous vous rappelez, on a vu la Pitié, puis elle nous a dit qu'il y avait un genre de complot et que le seul moyen d'aller l'arrêter, c'est d'aller à une genre de réunion. Mais je me rappelle plus trop, hein, ça fait quelques jours. Donc là, on va aller voir Hérodote et on va voir ce qui nous attend, tout simplement. Alors j'espère que ça va aller. Et je vais pas faire plus de bêtises que la dernière fois où j'en avais un petit peu chié, on doit avouer. Mais bon, ça, c'est pas trop grave. Le plus important, c'est qu'on s'amuse, hein. C'est ce que je dis toujours. Alors, pour ce qui s'agit de ma main, il y a toujours des petites douleurs, mais bon, hein, c'est comme ça, j'ai pas besoin de médecin. J'ai tellement l'habitude que une petite attelle, un petit peu de pommade et ça passera. C'est juste qu'il faut laisser le temps pour passer. Et ce qui est de mon moral, bah, je sais pas, j'ai l'impression que je retombe à nouveau dans une sorte de mélancolie, peut-être à cause de la fin des fêtes, hein, on sait pas. Du coup, à cause de ça, je suis tout le temps fatiguée, mais ça, vous avez l'habitude. Mais du coup, on va dire qu'aujourd'hui, j'ai fait que de dormir. Parce que normalement, j'aurais dû faire au moins deux ou trois lives, j'aurais même dû faire du Zelda. Mais malheureusement, je n'ai pas pu. Mais par contre, je voulais vraiment continuer Assassin's Creed. Donc, c'est pour ça que je suis là. Hein. Parce que, comme j'ai dit, moi, je le connais pas. Et je déteste ne pas savoir la suite. Si ça tenait qu'à moi, je le ferais tout le temps, hein, non-stop. Mais bon. Je me dis tous les deux jours avec vous en live. Et puis vous sur YouTube pour les vidéos. C'est déjà pas mal. On avance au fur et à mesure, c'est tout ce qui compte. Puis il y a aussi le fait que je regarde une petite série à côté. C'est peut-être aussi pour ça que je suis pas tout le temps sur le jeu. Parce que j'aime bien être un peu partout. Entre mes livres, les séries, les jeux. Et comme vous savez, j'essaie de m'occuper de mon esprit comme je peux. Alors, il est là, Hérodote. Rappelez-vous, hein, j'aimais bien l'idée que voilà, il y a un homme Voilà la salle d'histoire. secrète. La subtilité n'est pas leur fort. Alors, c'est ici. La salle secrète du culte. Ici, pendant tout ce temps. Je vais entrer. Je peux te laisser mes vêtements? Mieux vaut aussi laisser tes armes. Je doute qu'ils les voient d'un bon œil. Donc là, faut être vraiment en mode fufu, quoi. Comment tu me trouves? Terrifiante. Bien. Viens me retrouver quand tu auras découvert la vérité. Tâche de garder ton sang-froid. Ne te laisse pas emporter. M'emporter? Moi? Bon, espérons que je ne me fasse pas trop avoir. Par contre, ça a l'air d'être un endroit un peu caché. Un costume pareil. Ouais, marche pas sur ta soutane. Ce serait bien dommage. Ouais, t'avais intérêt de pas avoir d'armes. Hein. Tu es très en retard. Heureusement, Deimos n'est pas encore arrivé. Pardon, c'est ma première fois. Une nouvelle recrue? Bienvenue, bienvenue. Il y a beaucoup de monde ici. Oui, et tous partagent nos idées. C'est bien. Nous sommes là pour évaluer les actions menées par le culte depuis la dernière réunion. Qui remonte à un certain temps. D'où est-ce qu'ils viennent tous? De partout, même d'au-delà des mers. Nous formons une communauté. Ici, pas de guerre, pas même de camp. Tu as mentionné un nom, Deimos. Qui est-il? Oh, tu vas très vite retenir son nom.
C'est notre chef. Elle se considère comme telle, mais non. C'est notre arme. Elle n'est pas commode, mais ce qu'elle fait est important. Et je ne l'envie pas, crois-moi. Alors vous avez vu, c'est marqué « il » dans les sous-titres, mais elle dit « elle ». C'est bizarre. Donc c'est un homme ou une femme, on ne sait pas encore. Mais je pense que c'est plus une femme, du coup, avec les sous-titres. Je vais aller parler aux autres. Merci. Oui, oui, avant l'arrivée de Deimos. Tu risques de ne plus pouvoir après. Ok. Déjà, regardez, ça fait un peu, vous savez, comme dans Origin, pour ceux qui ont suivi l'aventure avec moi, et si vous ne l'avez pas vu, pour ceux qui me suivent ici en live, je vous conseille d'aller voir ma page YouTube, j'ai fait un let's play dessus. Bon, après, avec les moyens hein, que j'ai pu. N'hésitez pas à aller le voir, hein. Et puis comme d'habitude, hein, n'hésitez pas non plus à voir toutes nos chaînes et tous nos réseaux sociaux, et de partager et... à tout le monde, hein, nos vidéos, ça permet à la page de survivre et de se faire connaître. N'hésitez pas non plus à nous laisser des commentaires pour nous dire ce qui va pas dans nos vidéos. Franchement, ça nous aiderait beaucoup et on est ouvert à tout, hein, vous inquiétez pas. Pareil, si vous voulez voir, pour nous aider à aller sur YouTube, ça serait gentil. Mais ça, c'est pas obligatoire. Pour l'instant, ce n'est que du sang, mais qui sait, Deimos réclamera peut-être nos mains. Allez, allez, fais ton offrande. Il nous suffit de garder à l'esprit ce que la lignée va accomplir pour nous. La lignée ? La mère, le père, la sœur. Tu sais, les siens. Nous avons besoin d'eux. De tous. Pour nous aider ? Mais Deimos ne doit rien savoir, bien sûr. Tu sais comme il est instable. Il ne ferait qu'une bouchée de nous. Compte sur moi pour garder le silence. Tu feras bien. Il ne doit pas savoir que nous allons bientôt enlever sa mère. Et qu'allez-vous en faire ? À ta place, je baisserai la voix. Sache seulement qu'il en sera fait bon usage. Sauf si elle se défend. Tu sais où elle se trouve ? Non. Mais on ne tardera pas à la prendre, crois-moi. C'est la prochaine cible du culte. Parle-moi de Deimos. Il nous a montré ce que nous devions savoir. C'est une machine, une arme du culte. On ne peut confier à un homme si instable des informations aussi personnelles. Je dois partir. À notre grande ambition. Oui, à l'ambition. Il va me falloir plus d'informations pour identifier les membres de ce culte. Ouais, je pense que j'avais pas le choix de faire l'offrande parce que je pense qu'après il aurait crié au scandale. Je n'écoute pas. Oublie la mère. Je ne suis toujours pas convaincue. Quoi ? Nous avons besoin d'un autre avis. Pourquoi nous disperser pour chercher une femme introuvable ? En concentrant nos moyens, nous pouvons prendre Athènes. Il faut s'occuper des menaces immédiates. Il faut abattre Périclès. Pas sans la mer. Nous ne sommes pas assez forts sans la mer. Ne dis pas ça à Deimos. S'il faut traquer quelqu'un, c'est le père. Nous savons déjà qui est la mer. Nous perdrions trop de temps et de ressources à chercher le père. Qu'en dis-tu ? Faut-il traquer le père ou la mère du champion ? Oh ! Si ça se trouve, il parle de notre mère. La mère, elle a raison. Réfléchissez un peu. Il faudra peu de temps à Périclès pour renforcer ses défenses, et l'occasion nous passera sous le nez. Parce qu'on sait qui est notre mère, mais on ne sait pas qui est notre père. Non. J'ai parfaitement entendu. Mais tu as tort. C'est le père qu'il faut chercher. Parce que nous, on sait qui est la mère, et eux, ils savent aussi.
Je me demande s'il parle pas de nous, franchement. Il est où le prochain? Ok. On leur a parlé. Il me manque qui? Pas ça. Qui c'est que je vais avoir? Bon, c'est pas eux. Elle, elle a rien à dire. Peut-être par là. J'en ai aucune idée, hein. Là, je me promène un peu. Ah, j'ai bien fait. Une correspondance du culte. Par les dieux. Ils sont présents dans tout le monde grec. C'est encore plus grave que je l'imaginais. Ok, il manque encore un endroit. Peut-être en face. Peut-être pas. Désolé, je te pousse. Peut-être où il y a les gardes. Pardon. Je sais pas, là, comme je vous ai dit, je découvre. Il y en a, ils s'amusent tout seul. Non, c'est bien par là. Donc, du coup, il me manque quelque chose. Voyons voir. Qu'est-ce qui manque? Donc là-bas, j'ai visité. À moins qu'il faut que j'aille dans l'eau, c'est possible aussi. On va voir après. Ah oui, d'accord, c'est une porte. Pourquoi un tel visage si triste, digne du masque tragique de Melpomène? Ta famille est à l'abri pour l'instant. Ne leur fais rien. Pitié. Cela dépend de toi, mais tu te tiendras bien. Dans le contraire, tu sais ça. Je t'en prie, non. Nous les tuerons. Ta femme, ton enfant, que te resterait-il ensuite? Plus rien. Exactement. D'accord, il était derrière. Ah, mais il reste encore des trucs? C'est une blague. Non. Est-ce que je devrais pas la lire, la lettre, par hasard? Mais ça, on s'en fout. Non, on dirait pas. Ça, c'est des choses que je dois faire après. Ok. Donc non. Il me manque des choses. Désolée, je parle pas beaucoup parce que je suis un peu concentrée. Et du coup, je me demande où c'est les derniers trucs d'investigation. Je vais peut-être retourner à... Ah, attendez. Il me doit me manquer des choses peut-être par là-bas. Je trouve ça bizarre qu'il me manque encore quelque chose et je l'ai pas vu. Bon, attendez. Peut-être sous l'eau, hein. Non, il a l'air de rien avoir. Non, rien du tout. Franchement, là, j'ai aucune idée.
Il doit me manquer quelque chose. Peut-être qu'il faut que je reparle à des personnes, c'est possible aussi. On va voir. Parce que là, je vois pas ce qui me manque. J'essaie de reparler à certaines personnes, si possible. Par exemple, ces deux-là, là. Ah, attendez. Ah, d'accord, je les avais pas vus là-bas. Excusez-moi. C'est de ma faute. Effectivement, ils étaient cachés. Ressaisis-toi, Malaka. On dirait un porc qu'on s'apprête à abattre. Je vais le faire, je le jure. Je vais le tuer. Laisse-moi. Ça te plaît de regarder, petite ordure? Tu vas faire plus que regarder. Tu vas donner une bonne leçon à cet avorton insolent. Il le mérite? Qu'est-ce que ça peut faire? Obéis, c'est tout. Sans poser de questions. Je n'ai pas pu. Mais je n'ai pas peur. Plus maintenant. Si tu ne réussis pas à tuer un artiste, comment feras-tu pour exécuter un archonte? Je vais le faire. Je vais tuer Phidias. Je crois que j'ai pas le choix. Je dois le faire parce que sinon il va voir que je suis un traître. Allez, montre-leur ce qu'on fait aux lâches. On les brûle. Non, fais-le, toi. Oh, si tu ne sais pas t'amuser... Tant mieux pour moi. Voilà ce qui se passe quand on fait pas ce que je demande. C'est étrange. Une autre erreur de ce genre. Elle s'en va couper. En direction maintenant, de la pyramide. Fiche le camp d'ici si tu ne veux pas recevoir le sang de cette traîtresse. Toi, on a vu quelqu'un entrer chez toi. Ah, tu avais le dernier fragment. Maintenant, tout est prêt. Chaque fois que je le vois, il m'appelle, il chante. Il exprime son pouvoir. Dis-moi, est-ce qu'il t'appelle, toi aussi? Oh oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu la tête? Non. Mon grand guerrier n'est pas encore arrivé. Écoute, espèce de misérable, reprends-toi et tiens ta langue, imbécile. Un peu de respect pour la lignée. Elpenor est mort. L'un de vous est un traître. L'artefact nous donnera son nom. Toi ! Chacun d'entre vous passera l'épreuve. Et tu es le premier.
toi. Est-ce que vous avez compris comment moi? Le bébé qu'on croyait qu'il était mort, Alexios, en fait, c'était lui. En plus, je le trouvais beau gosse. Mais attendez, c'était lui? Du coup, il est pas mort. Donc, en gros, on aurait pris Alexios. Et ben, la chef, ça aurait été nous, en fait, Cassandra. Oh là là. Mais c'est trop bien. C'est trop bien, en fait, quand on voit comment ça a été interchangé et tout. C'est... Oh. C'est surprenant. Et du coup, il a tué un innocent pour... pour nous innocenter. Pour nous sauver, quoi. Ah, tu es en vie. Calypso. Ils me connaissent. Et ma famille. Ils veulent tuer ma mère. Je vois. C'est pire que ce que je croyais. Ce n'est pas tout. Ils ont une arme. De quelle sorte? Un soldat. Plus fort et plus féroce que tous ceux que j'ai jamais rencontrés. Hérodote. C'est mon frère. Nous devons aller à Athènes. Athènes? Nous devons plutôt trouver ma mère. Mes vêtements. Ma lance. Bien sûr. Ma lance. Le culte de Cosmos appelle mon frère Deimos. Il s'est servi d'un artefact pour lire mes souvenirs. Cassandra, l'homme que je sers, il faut lui dire ce qui s'est passé avant qu'il ne soit trop tard. Tu as déjà entendu le nom de Périclès? Périclès est le général qui dirige la Ligue de Délos contre Sparte. On dit qu'il est impitoyable. Nous ne menons la Ligue contre personne. Périclès est un homme de paix. Cette guerre lui a été imposée. Comme à nous tous. Un général qui s'opposerait à la guerre, c'est étrange. Chasse tes doutes. Il s'efforce d'arrêter cette guerre, comme nous tous. Si des forces se sont alliées contre lui, il faut le prévenir. Allez, partons. Athènes ? Le culte traque ma famille. Ma mère! Il faut que je la retrouve. Tu as la lame de Léonidas. Sois à la hauteur. Si Périclès ne met pas fin à cette guerre, c'en est fini de nous tous, y compris ta mère. Assez avec ta guerre! Le culte veut exterminer ma famille!
Tu as un devoir envers le monde grec, tout comme moi. Il faut prévenir Périclès. C'est ma mère. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? S'il y a un endroit où nous pourrons trouver des informations sur ta mère, c'est à Athènes. Pourquoi? Périclès s'entoure des esprits les plus brillants d'Athènes, et donc du monde. À Athènes, tu pourras remplir ton devoir envers ta famille. Mais avant de partir, viens me retrouver auprès du lion de Léonidas au Thermopyle. Léonidas? Pourquoi? Il faut que je vérifie quelque chose. Une chose qui pourrait nous aider à abattre ce culte et à sauver ta mère. Hérodote, tu m'as prouvé que tu étais digne de confiance, mais faisons vite. Les Thermopyles, et ensuite Athènes. Je vais faire en sorte que chacun de ses adeptes meure de ma main. Bah oui, je peux la comprendre, là. Le culte de Cosmos est une société secrète regroupant des gens de pouvoir qui cherchent à contrôler le monde. Rechercher des indices à travers le monde grec pour dévoiler l'identité de tous les membres du culte et l'annihiler définitivement. Ouais, ça va pas être facile, mais pourquoi pas. Puis, le mené... Attends. Le sage pratique le commerce maritime. Ok. Le sage est un espion. Deimos est l'arme suprême du culte. Le culte n'est rien sans moi. Même les dieux se cachent en me voyant. Soumets-toi, ou meurs. Deimos, l'élu. Un dieu, un guerrier, un héros de Cosmos. Telle était l'image associée à Deimos. Mais derrière cette nature héroïque se dissimulait une vie de souffrance. Jeté du haut du monde de Tegetos, élevé et torturé par le culte, condamné à combattre ou mourir, Deimos avait depuis longtemps perdu toute trace d'humanité. Il ne restait qu'une arme. Une arme splendide et meurtrière que le culte lui-même est devenu incapable de contrôler. Ça va pas être facile à tuer lui. Hein. Il est possible d'acheter un indice sur l'adepte encore ainsi. D'accord. Le chaos est notre plus grande force. Bélos, la bête de Sparte, héros du culte. Lorsque l'on naviguait vers les rivages de Pekka, on pouvait entendre des hurlements, d'abord ténus, puis plus forts, et enfin assourdissants. Ils provenaient de la gorge des hommes et des femmes agonisant dans les fosses où la bête les tuait. Ces entraînements sans fin au profit du cosmos l'ennuyaient, mais il ne pouvait prévoir qu'une prétendante viendrait bientôt mettre un terme à son règne de champion. Ok. Ce combat ne prendra fin que lorsqu'il ne restera plus que moi. Okitos le Grand, brutal, horrible et bestial, tels étaient les qualificatifs les plus aimables employés pour décrire Okitos le Grand. En réalité, il était pire, bien pire. Il était donc logique qu'on lui confie l'entraînement des jeunes mercenaires destinés à devenir des gardes et soldats de Cosmos. Celui qui ne se montrait pas à la hauteur dès les premiers jours était honorablement sacrifié. Honorablement sacrifié. Chacun me... Comme il veut, hein, mais bon. J'ai passé 20 ans en mer pour découvrir que le culte était ma seule maison. Non. Ah non, je croyais que c'était notre ami, parce qu'il lui ressemble beaucoup, mais non, c'est pas lui. Après avoir perdu ses parents lors de l'invasion perse, sa femme lors d'une tempête, ses enfants, ses amis, ses compagnons de mer, Astérion ne naviguait plus par amour de la mer, mais par volonté de venger ses morts. Combien de cadavres laissait-il dans son siège? Des centaines? Des milliers? Et quand ces morts reviendront-ils se venger à leur tour et l'entraîner auprès de ceux qui les avaient aimés? On va essayer de tous voir ce qu'on a là. Hein. Lui, on peut pas pour l'instant. Lui non plus. Non plus.
On verra après. Alors. Les esclaves comprennent mieux les règles quand on les entaille sur leur nuque. Le senteur de B, le filon d'argent. Le senteur de B avait offert à Cosmos les richesses que lui avait rapportées le commerce du cuivre. Mais cette activité nécessitait de nombreux esclaves. Alors le cut envoyait des cargaisons d'armes perdues vers ses mines et un sort peu enviable. Ok. Ah. Que vaut une vie sans un millier d'autres derrière elle ? Elle, on l'a déjà rencontrée. Hein. La chimère, le filon d'argent. La plupart des gens connaissent la passion, l'amour ou la chaleur humaine, mais la chimère n'était sensible qu'au froid calcul. Le monde n'était là que pour être exploité, et elle le faisait très bien, au nom de Cosmos. Sa cible suivante était constituée d'artefacts cachés dans une forge très ancienne, et ses esclaves allaient en extraire les secrets, faute de quoi ils subiraient sa colère. Ok. Quand j'aurai les levels, bien sûr, je les tuerai. Hein. Ah bah lui, j'ai déjà tué. Epikos le Proxy, le filon d'argent. Prolix. L'activité de construction navale d'Epiketos, le Prolix, lui avait appris une chose. Faire la guerre rapporte toujours plus que le gagner. Et les tragédies de la guerre lui rapportèrent une fortune jusqu'à ce que Deimos fasse de lui un sanglant exemple lors d'une mystérieuse réunion du culte. Ou c'est lui qui vient de le tuer? Je sais pas. À quoi bon la démocratie? C'est l'argent qui dirige le monde. Les membres du culte recherchent tout ce qui était ancien, pillant les tombeaux et les ruines comme des simples voleurs de tombes. Rares étaient ceux à connaître la nature de ce qu'ils cherchaient. Une fois le pillage effectué, Midas d'Argos était chargé d'effacer toute trace de ces lieux historiques. Le jour, il se représentait sous les traits d'un banquier riche et impitoyable. La nuit, il incendiait tout ce qu'il devait l'être. Un enfoiré, en somme. Donc lui, il a été vaincu. Elpenor, bien sûr. Outre le fait de commercer avec les deux camps adverses, Elpenor servait Cosmos en éliminant les membres de la ligne de l'élu. Après tout, il avait trouvé la sœur de Deimos sur les routes poussiéreuses de Kefalonia, et il ne tarda pas à lui attribuer ce qui était arrivé au loup en Mégaris. Pendant quelque temps, il a semblé maître de tout et totalement irrésistible. Mais il est mort. Cosmos exige de connaître les secrets cachés dans le cœur des hommes. Alors, je les ouvre. Rien n'échappait aux nombreux yeux de Sotera, marin indolent, parcourant les mers, mendiant pouilleux des rues, tout pouvait être ses agents. Et tous étaient dangereux. Rares étaient les conversations qui échappaient à la toile qu'elle avait tissée, et les spectacles dont elle n'était pas avisée. Je pense qu'elle, on va pouvoir essayer de la tuer parce que... D'accord, c'est comme ça, Marquis, d'accord. En plus, je suis niveau 13. Donc je pourrais la tuer si je veux. Parce que elle est niveau 13, on est d'accord. Les autres, ils sont niveau 14 les plus bas. Donc les autres, ils vont attendre, mais dès que je suis niveau 14, on va les assassiner, on est d'accord. Hein. Ouais. On va faire ça comme ça. Ok. Je vais juste monter mon aptitude. Puis au pire, on va la tuer elle et après on continue notre histoire principale. Je pense que c'est quand même une assez bonne idée. Ah, ça j'aime bien. Mais je peux pas l'affecter nulle part pour ça. Je voulais pas l'affecter ici, mais c'est pas grave. Bon. Elle, est-ce que je peux aller la tuer ou pas? Est-ce que je peux me téléporter? Où elle est? Je sais même pas où est-ce qu'elle est. Ça va dépendre où est-ce qu'elle est. Elle est en Mégaris. Est-ce que je peux me téléporter en Mégaris? Je suis pas sûre. Écoutez, on va la tuer et après on se re-téléportera. Je pense que c'est une bonne idée. Puis après l'avoir tué, on s'arrêtera là. Et après, dans un nouvel épisode, pour faire mes petits bouts de YouTube, on continuera la quête principale où on fera une petite chasse. Voilà.
Oh, coucou les petites bulles. Je sais pas c'est qui elle. Mais ouais, c'est bien une mercenaire. Mais elle est trop HL. Au secours. J'avais pas fait gaffe, d'accord. Mais j'aurais dû m'en douter. Mais je sais pas, en fait elle était à côté de moi et puis genre elle voulait presque me taper, alors ben j'ai voulu foncer dedans, j'aurais pas dû, c'est pas grave. Donc cette fois-ci, on la tue pas, on va appeler mon cheval. À quoi, j'ai pas le droit d'appeler mon cheval? Par contre, ouais, j'ai perdu mes membres du culte. C'est elle que je cherche. Oui. Oui, mais elle a marqué. Voilà. Et c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est d'aller la voir. Donc on va se la faire vite fait et par contre, à ce que j'ai compris, elle va être dans un lieu très protégé. Mais de toute façon, on reviendra ici, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Parce que j'ai vu que j'ai plein de trucs à découvrir, donc on le fera au fur et à mesure. Hein. Vous inquiétez pas. Peut-être hors vidéo, je verrai. Excusez-moi, j'ai eu un petit message. Hop. Voilà. Allez. On va essayer de se dépêcher. Ici, j'aurais des quêtes à prendre. Nouveau mercenaire découvert. Non, attendez, on va voir. C'est peut-être la personne que j'ai essayé de tuer tout à l'heure et puis qui m'a complètement explosé. Je sais pas. Ils disent qu'il y a un nouveau mercenaire, mais je le vois pas en fait. Ça bug un peu. Peut-être elle. Bon, bah, ça m'étonnerait pas que ce soit elle. Bon, c'est pas grave. On verra plus tard. Le seul truc que je sais que je veux faire, c'est tuer la fille. Vu que on l'a déjà dans notre collimateur, autant la faire. Bien sûr, faut que je sois attaqué par des trucs. Puis là, va falloir que j'y aille tranquille parce que voilà. On va essayer de se cacher. Ah, est-ce qu'il y a des trucs à détruire? Déjà, hop. On va essayer de faire la zone en entière. Hein. Pourquoi pas? Ça c'est bon. Ok. Ah, c'est ça que je vais devoir détruire tout de suite. Allez, montre. Ok. Il doit y avoir d'autres choses. Hein. Mais par contre, moi, le truc, le prioritaire que je vais devoir éteindre, c'est ça, c'est le brasier. Parce qu'on sait très bien ce qui va se passer. J'entends bien qu'il y a quelque chose par là.
Il y a quelque chose que je n'ai pas noté, c'est sûr, mais je vois pas quoi. Voilà. À mon avis, là, j'ai tout eu, je pense. Ah non. Ok. Ok. Je suis pas sûre de pouvoir tout faire dans cette vidéo, mais on va tenter. Faut surtout que je me fasse pas avoir. Oh bah. Au moment où je dis ça, j'ai failli me faire avoir. Je l'avais pas vu. C'est le brasier que j'aimerais bien éteindre en priorité. Parce que je dois avouer que le brasier me fait un peu peur. Donc si je peux l'éteindre en priorité, ça me va très bien. Oh bah trop tard il m'a vu. C'est pas grave, on va éteindre le brasier. Je vais essayer de la tuer, elle, c'est le plus important. Ah non, mais toi, je vais pas te laisser t'enfuir en fait. C'est bon. Ils sont que niveau 9, donc c'est pas trop compliqué. On va pouvoir tous faire. C'est elle que je voulais surtout confirmer sa mort. Voilà, comme ça elle est décédée. Grâce aux indices que vous avez découverts, dévoilez l'identité d'un adepte en accédant à sa page d'information. Après leur dévoilement, marquez les adeptes sur la carte. Chaque fois que vous éliminez un adepte, vous récupérez des indices permettant de dévoiler des adeptes plus puissants. D'accord. Tant mieux. Donc du coup, toi. Donc toi, on n'a toujours pas plus d'indices que ça. Du coup, on va avoir l'inventaire. Chapeau. Ouais. Ok. Peut-être un truc un peu mieux. Voilà. Et ça, on va mettre celui-ci. Et ça, on n'a pas mis. Voilà. Du coup, on va pouvoir faire le reste, hein, je pense, tranquillement. Et on s'arrêtera là. Ah oui, j'ai oublié de détruire un truc là-bas. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Hein. On fait ça et puis... Là. Je sais pas si je les ai tous notifiés eux. Si sûrement. Hop, vu qu'il fait pas attention à moi, je vais pouvoir l'assassiner. Essaye de brûler.
Ouais, je boude plus, comme toi. Hop, un cadeau là. T'as moins qui s'approche, donc je me cache pour pas qu'il me voit. Il porte un cadavre en tout cas. Hop, on va le tuer. Hop, ça c'est fait. Hop. Un petit trésor qu'on va prendre rapidement. Je vois ça. Merde. Voilà, merde. Oh merde. Excuse-moi, je voulais pas te tuer. Moi je te tue hein, même si je t'ai libéré. Ouais, eux je les ai tous libérés. Bien, monte pas sur la table. Les Spartiates ne vont pas aimer ça. Après t'avoir tué. Voyons combien de temps tu tiens. Il est où? Ah voilà. Il me manque une marchandise à brûler, on va le faire tout de suite. Tu essaies au moins. Elle meurt en fait. Ah ouais, tu veux jouer à ça en fait. Voilà, elle meurt. Ça dépend c'est qui le chasseur de primes. Parce que s'il a un level HL, ça va être compliqué. Non, il est que niveau 12. Je vais pouvoir me le faire. Je finis juste quelques petits trucs et je suis à toi. Bidou, il m'a vu lui. Si on arrête de faire des bêtises. Hop.
Allez. Allez. Allez, ma belle. Voilà. Alors, qui était ce Demetrios? Laissez-moi tranquille. Donc, du coup, on a fini ici. C'était bien. Donc, la prochaine fois, là, déjà, je vais profiter du petit temps de pause pour aller chercher le téléporteur ici. Et puis, je vais retourner là où il y a la suite de la quête, tout simplement. Et on continuera, du coup, la quête principale. Voilà. J'espère que l'épisode vous aura plu, petit bulle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer et partager la vidéo, comme d'habitude. Hein. On va juste aller voir le petit mercenaire qu'on vient de tuer. Voir sa petite fiche, si je le trouve. Voilà, il est là. Et on s'arrêtera ici. Dimitrios Onedelika. Enfant, Dimitrios travailla au terme, mais l'odeur des clients finit par le rendre fou. On dit qu'il en noya certains avant d'oindre leurs cadavres d'huile d'odorante. On dit aussi que, par la suite, il ne tua que ceux dont la puanteur agressait son odorat. Bah, dit que je pue aussi. Parce qu'il essayait de m'attaquer, c'est pour ça que je dis ça. Du coup, je m'arrête ici. Bisous les petites bulles.